Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre série de l'été. Nous nous sommes quittés juste ici, rappelez-vous, après un épisode de presque 40 minutes. Puisque du coup, on a essayé de trouver un trésor qui finalement, on l'a pas trouvé. D'ailleurs, vous voyez la carte juste derrière moi, je l'ai totalement jetée parce que... fuck, tout simplement. Voilà, on allait continuer notre expédition pour trouver donc un biome jungle et avoir du bois de jungle. Mais d'abord, j'ai trouvé cette grande faille avec justement un mineshaft. Comme on a des mods qui modifient un petit peu tout ça, je me suis dit, eh bien, autant y passer. Alors là, je me suis mis dans la merde. Je me suis totalement mis dans la merde, c'est pas grave. Voilà, j'ai eu de la chance, hein. Parce que forcément, avec le sable, il y a tout qui se réactualise. En fait, je n'ai plus de stone sur moi. Et ça va être plus ou moins compliqué de descendre, du coup. De manière sécurisée, en tout cas. C'est bon. Attendez. Il va falloir qu'on reprenne de la stone, dans tous les cas, pour se faire des fours. Parce que niveau nourriture, ça commence à être un peu ric-rac. Et j'ai du mouton sur moi, donc ça tombe bien. Hop. Voilà, là, on va pouvoir descendre en toute sérénité. Très bien, parfait. On va descendre comme ça. Heureusement que je me suis refait une pioche. Avant de partir, évidemment. Alors, très mignon par ici, dites-moi là. On va descendre par là encore. Pas le choix, on va falloir se faire un petit escalier du turfu, les gars. J'ai hâte de voir ce qu'on pourrait éventuellement trouver. Dans les coffres, peut-être des petites récompenses, je ne sais pas. Ne nous enflammons pas trop vite. Ce serait dommage. Est-ce que j'ai du bois sur moi? Pas assez pour une table de craft. Oh, attendez. Ça marche, ça, ou pas? Oh, j'ai de la chance. Oh, j'ai de la chance, les amis. Hop, le mouton. Et on va faire chauffer ça avec... avec ça, de toute façon. Que voulez-vous que je vous dise? Ah, ben, j'ai encore du charbon, de toute façon. Excusez-moi, j'avais pas vu. Hop. Ok, du coup, on va pouvoir continuer notre descendade. J'entends un squelette. Je sais pas où il est. Mais il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, mon pote. Bon, allez. Putain, ça m'a fait peur. Ah, je suis sous pression, les amis. Sincèrement. Ok, on y arrive. On y arrive. Et on est arrivé. Alors, ce qu'on va faire, les amis... on va enlever le shader. Voilà, une fois ceci fait, on va pouvoir y voir un petit peu plus clair. On a en plus, je pense, des minerais à récupérer. Ah mais non, en fait, depuis tout à l'heure, je confonds les lianes avec des minerais. Mais quel tocard. C'est pas grave. D'ailleurs, les amis, maintenant que j'y pense, au moment où cet épisode sera sorti, eh bien, je crois que ça y est, nous serons en été. Donc, les amis, je vous souhaite un bel été. Voilà, profitez bien de vos vacances qui arrivent. Peut-être que vous n'êtes pas en vacances, donc bon courage en tout cas. On est ensemble, bien évidemment. Profitez bien si vous pouvez profiter. Nous, en tout cas, eh bien, on va essayer d'en profiter un maximum. Alors, attendez. Des ficelles. Oh, mais bien sûr. Heureusement que vous me le dites. Merci. Merci de me l'avoir rappelé, chers amis. Bien sûr, de la ficelle gratuite. Ah, mais alors, ça, franchement, vous savez quoi? J'y avais pas pensé. Mais le mineshaft va nous être utile. Déjà, juste rien que pour ça. Mais vraiment, hein, c'est un des trucs les plus importants qu'on a besoin. Pour faire de la déco, hein, me diriez-vous. Mais il nous le faut. Alors, on va aussi un petit peu descendre encore parce qu'il y a du fer. Et si déjà on est là, autant se servir. Surtout, regardez les filons. J'ai vu de l'or aussi, ça c'est pas mal. Bientôt, on va pouvoir se faire des pommiers en or. Et ça, c'est cool. Je sais pas ce que c'est, on va voir après. Par contre... je vais bientôt être full déjà, et ça c'est compliqué. Ça donne quoi? Je ne sais pas ce que ça donne. De la plante fibre. Avec ça tu fais des bandages. Et avec les bandages tu fais quoi? Je ne sais pas. Bah on va voir. Mais non. Je suis sûr c'est pour se soigner, mec. Je suis sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. What? 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 Stone pebble. Oh. Oh, en fait, ça s'effondre. D'accord. Oh, mais c'est trop bien fait. Oh, j'adore.
J'adore ce jeu. Ok. Alors faut faire gaffe, à tout moment on peut crever, hein. À tout moment on peut crever. Pardon? Alors, tu vas te calmer direct, hein. Voilà, moi je te le dis. Du coup, on peut se faire des bandages. Alors attendez, mais c'est génial. Tu sais quoi? On va voir si ça nous soigne ou pas. On va en faire l'expérience. Oh non, j'ai gâché. Ah bah ouais, ça a demandé des ficelles, j'avais pas vu. Ah, dommage. Dommage. Alors, si je peux me permettre, calmez-vous, hein. Vas-y, on va faire le test. Bandage. Ah ouais, putain, ça m'a redonné tous les cœurs. Trop bien. Alors, dommage pour les ficelles. Bon, nous, on est là pour le mineshaft. On va pas rester ici. Ah, les os. Ça, je prends. Hop. Grey wool, brown wool. Dirt, on jette. Va falloir faire un petit peu. Ah bon, la stone pebble, hein, sincèrement, ça sert à rien. Oh, putain, l'enculé. Excusez-moi, hein. Je suis assez vite effrayé. Voilà. Ok. Donc nous on est là pour le mineshaft. Putain, il y a beaucoup de squelettes. Et ça c'est quoi? De la clay ball. Avec ça tu fais de la clay lamp. Ou de la clay classique, je pense. Ok. Et concrètement ça sert à quelque chose ça? La clay lamp. Clay ball. D'accord, ça sert à... Oui, bah, faire de la clé normale, en fait, mais très peu pour moi. Très peu pour moi. On va continuer parce que là, il y a plein de squelettes. Plein de mobs. Donc, écoutez. Si déjà... C'est bon, ils s'attaquent entre eux. Oh, sa maman, je suis pas bien. Ah! Si je meurs. Voilà. Oh, regardez. Un cockroach. Bon. Je pense qu'on a tout vu. Moi, je m'arrache. Je suis pas bien du tout. Et il refait nuit. Oh, mon lit, il est où? Mon lit, il est là. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu extrêmement peur. Ce jeu me fait peur, les amis. Waouh, c'est plus la série d'été, là. Là, c'est... Bon, bref. Alors, attendez. Nous, on va remonter. Parce que j'ai de la bouffe à récupérer. Ça, je prends. Parce que c'est super cool, les bandages. Franchement, quand t'es dans le mal, si ça te régène tout, c'est incroyable. Bon, là, j'aimerais pas gâcher de la ficelle, mais... Ah bah, tiens. Oh, il a le TARDIS! Le chapeau du TARDIS! Docteur Who! Incroyable! Par contre... Ah bah, voilà. Oui? Araignée? Là. Viens voir papa. Je suis là, hein. Merci pour tes ficelles. Bah, qu'est-ce que je peux jeter? Bon, du coup, je suis dans la merde. je vais jeter l'arc, hein, et puis voilà, hein, de toute façon. J'ai pas de flèche. Ok, du coup, ficelle de retour. On a en plus, les amis, le chapeau du TARDIS. Si ça, c'est pas la classe, franchement. C'est incroyable. Bon, bref. On n'est pas là pour ça, c'est un petit peu dangereux. Alors, on va retourner du coup. Bah, le mineshaft, il est où? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Attendez. Ah, il est là-haut, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu extrêmement peur. Bon, on va arrêter de récupérer minerais, genre fer, tu vois. L'or, oui, mais le fer, c'est bon. Parce qu'à tout moment, vous l'avez remarqué, sur notre île, on peut en trouver assez facilement. Donc, je pourrais toujours... en prendre en off si besoin. Là, je prends. Ça, je veux. Bonjour. Bonjour. Ça me fait peur. Oh. Ça,
Ça me fait peur. Oh là là, j'aime pas ça. Du pain des... Oh, ça, c'est super, ça. J'ai une golden apple aussi que je peux récupérer. Le pain, je veux, hein, mec. Hein. Le pain, j'en veux. Putain, mais le pot, je voulais le garder. Bon, au pire, la grey wool, la brown wool, on s'en brown, hein, j'ai envie de dire. Allez, on prend ça. Ça peut toujours sauver, les amis. Franchement, il faut prendre ce qui peut sauver et ce pourquoi on est là. Alors, quelque peu dangereux, ça. Bonjour. On va récupérer, hein, vous inquiétez pas, les toiles d'araignée. C'était juste le temps de sécuriser et pouvoir me concentrer à plein temps sur ces fameuses ficelles. Alors, on est plutôt pas mal, on est plutôt good, on est plutôt cool, on est plutôt bien. Ah ! Putain ! Oh ! Oh, j'en peux plus ! Ah, oh, ça fait peur quand même, hein. Sincèrement, hein. C'en est trop pour mon petit cœur. Bon. Là, ça se voit, ça va tomber, ça. Non, même pas. Là, il y a masse ficelle en face. Il y a un spawner aussi. Un peu dangereux. Bah écoutez, moi j'adore le danger, donc finalement. Et ben voilà. Facile. Facile finalement. Oh là, le creeper, salut. Oh non, la ficelle. Dommage, c'est pas grave. Ah bah voilà, rejoins là, parfait. Alors. Bonjour. Je suis gentil. Ah, oh, c'est trop stylé. Je veux ses lunettes. Je veux ses lunettes. Ah, je les veux, hein. Yes, yes, yes. Parfait. Toi, tu peux péter si tu veux. Ok. Oh, c'est trop bien. Attendez, j'ai des lunettes trop stylées. Alors là, regardez. Là, non, c'est pas ça. Je suis aveugle. Là. Bah, c'est pas ouf. Ah, voilà. En fait, soit les lunettes de vue, mais c'est nul. Moi, je veux les lunettes de soleil, voilà. Ça, ça c'est la classe, mon pote. Ça, c'est la classe à Dallas. Oh là là, regardez comment je suis trop swag, je suis trop frais, punaise. Abonnez-vous à ma chaîne. Je sais pas, faites quelque chose. Mettez un pouce bleu. Bah, c'est nickel. Bon, bah, écoutez. Bonsoir. Hop, on a pas mal de ficelles, là, ça commence à être intéressant. Manque plus que du bois de jungle. Et franchement, on peut rentrer à la maison. Oh là là, c'est super intéressant ce mineshaft. De la nourriture, bah on va prendre ça. Hein. Ça, ce sera pour après. Bonjour. Il est vraiment super intéressant. Ce mineshaft. Salut. J'aime pas tous ces bruits, moi ça me fait peur. Oh là! Oh oui, merci pour la ficelle. Attendez, il y a moyen de farmer de la ficelle de ouf. Ah! Viens si t'es un homme. Tu vas voir, je vais te faire débander. Je vais te faire débander ton arc. Bah alors? Ok. Là, il y a moyen de farmer à donf. La ficelle. Dégage toi. Putain. Ah ouais les gars, calmez-vous. Je rigolais hein. Ah. Je rigolais. On peut être amis. Attendez, il faut que je me fasse une sortie de secours. Voilà. Ok. On bloque ici. On bloque ici. À nous deux. Mon épée va lâcher, putain. Tout ça, c'est à moi, là, les gars. Ah ! Ah !
Arrête! Oh! C'est quoi? Qu'est-ce que je peux jeter? Attendez, ça, je m'en fous. Spider Eye. Ça sert à rien. Ok. Bon, c'est un peu trop dangereux là en bas. Mais au moins, j'ai beaucoup de ficelles. Et ça, c'est cool. Seul problème, c'est que mon épée va me lâcher. Donc, on va pas faire de chichi, on va pas faire d'histoire. Hein? On va remonter, les gars. Si vous êtes bien d'accord. Parce que si on meurt. Bah, c'est le seum en fait. Si on meurt. Bah, si on meurt, c'est la merde. Allez hop, on s'arrache, les gars. On s'arrache et on se trouve ce putain de biome. Attendez. Attendez, on va se refaire une épée quand même. Franchement, on va se refaire une épée. Hein. On va se refaire une épée de rien du tout. Arrête. Je peux pas. J'ai pas de bois. Ok, du coup, on remonte, tout simplement. On remonte pour de nouvelles aventures. Maintenant, il faut juste un petit biome jungle. Et après, c'est bon, on peut rentrer à la maison. Donc, on va continuer par là-bas. Je remets le shader, les amis, ne vous en faites pas. Allez, on est parti, ça fait plaisir. Ouah, punaise, c'est bon ça. Alors, le bateau. Hop, on continue, donc toujours direction un peu nord-ouest. Parce que c'est plutôt cool, de la canne à sucre. C'est bon, je peux encore en stacker. Donc on va en profiter. Franchement, quand on aura le bois de jungle, je sais pas qu'est-ce qu'on va sacrifier dans l'inventaire. Je vais pas vous mentir. Faudra qu'on se débrouille. Là-bas, la terre là-bas, on l'a déjà vue. On est bien d'accord. Oh, une abeille. Mais comment ça se fait qu'il y a une abeille? Attendez, s'il y a une abeille... Ah, mais à mon avis, il y a des ruches là-bas, en fait. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des ruches. Donc je n'ai rien dit. Regardez, voilà, je suis frais avec mes lunettes ou pas, là, franchement? Non, franchement, je suis frais, hein. Ah, vous pouvez le dire. Je sais que vous le pensez tous. Faut pas avoir peur de tout déballer. C'était un dauphin. On se fait entourer de dauphins. C'est trop mignon, quoi. Tant que c'est pas des requins, ça va, quoi. Trop mignon. Oui, une nouvelle terre. Bon, c'est encore un désert. Oh, oh non, j'y ai trop cru. J'ai cru que c'était de la jungle. Bon, on va bien y arriver un jour ou l'autre, vous inquiétez pas, mais... J'ai vraiment cru que c'était de la jungle. Mais sans rire. Genre là, la grandeur du truc, phénoménal. Phénoménal. Par contre, il y a des phoques partout. Ça aussi, c'est phénoménal. Bon! Les dauphins qui me suivent jusqu'ici. C'est vraiment génial, quoi. Trop mignon. Trop mimes, quoi. Allez, on se met là. Bonjour à vous. On dormira là. On récupère ça. C'est vraiment super pratique, ce sac de couchage. Je vous ferai remarquer qu'on n'a toujours pas fait de lit. Hein. C'est ça la bonne blague, c'est que on n'a pas encore pu goûter au confort d'un bon petit lit pour dormir. Bah, parce que le sac de couchage fait très bien l'affaire. Oh là là, c'est trop joli. J'ai l'impression de voir de la jungle, et en fait c'est pas de la jungle. Ce qui me déçoit un petit peu, en soi. Eh, attendez, il y a un truc là, non? C'est normal ça, les fleurs là? C'est normal que ça fasse un rond? Où il y a des mayas? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Oxeye Daisy. Non, c'est pas un truc bizarre ou je sais pas quoi. Très bien. Non, c'est quand même particulier de voir ça en rond. Ok. Allez, on va continuer. Enfin, on va dormir. Voilà, on va dormir. Tout simplement. Bon, les amis, j'espère que vous kiffez, mais vraiment. Hein. Moi, je prends un plaisir, mais monstre. Alors, j'ai très hâte de pouvoir revenir sur notre île et commencer la construction de notre maison. Je vais pas vous mentir. Très sincèrement, mais... Voilà, là, il faut qu'on se trouve du bois de jungle avant toute chose. Mais après, ça va être mais que du bonheur. Ça va être que du bonheur. Et puis, ce qui est rigolo et amusant en soi, c'est que on tombe souvent, tu vois, sur des petites îles à chaque fois. Ce qui est pas... Ce qui est pas dégueu. On va avoir masse canne à sucre. Ça, c'est cool. Je suis pas obligé de tout prendre, hein, de toute façon. J'ai entendu des vaches. Alors, tant qu'on y est... Enfin, j'ai cru entendre des vaches. Ouais, je dois avoir une ouïe trop développée. c'est bizarre. Ok, bon. Pas de jungle, de toute façon, de toute évidence. C'est bien dommage.
Hop, c'est pas grave, on s'arrache les amis. On s'arrache de rien du tout. Hop. Maintenant, on peut s'arracher. Par contre, là-bas, il y a à nouveau de la terre en vue. Ce qui m'intrigue un peu. Ah, de la montagne. Ah, ouh. Alors, j'aime pas ces biomes-là. Mais si ça peut nous mener sur un malentendu, eh bien, vers un biome jungle, bah moi, je dis pas non. Hein. Alors là, on a de la montagne, de la neige. Il y a fort moyen que ce soit un grand biome et que du coup, il y ait plusieurs biomes, quoi. Parce qu'en général, c'est rarement des petites îles, ça. Oh, quoique, je sais pas. On est dans quoi dans un biome Minecraft océan, d'accord. Minecraft océan. Bon, donc peut-être que je m'enflamme un peu, mais... Il y a fort à parier qu'on trouve notre bonheur quand même à un moment donné. C'est rigolo, dis donc. On dirait on arrive vers la fin du monde. On dirait les limites d'une map. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, on va continuer d'aller tout droit, là-bas il y a de nouveau de l'herbe. Et ben voilà. Non mais là on va trouver un... Là, et franchement, j'ai le flair, je le sens, on va trouver un biome jungle. Je vous le dis, il va être gigantesque. Ah bah 100%. Hein. Là je le sens bien là. Je suis quasi sûr de mon coup. Hop, et nous on va se poser là. Bam. Et on va pouvoir monter. Et vous allez voir, on va avoir une belle vue là. Sur tout ce qui va nous attendre. Et on va être en mode, ah ça c'est cool. Attention, le reveal. Y'a que dalle. Oh, des moutons. Je prends. Puis alors là, il y a du bois. Ce qu'on va faire. Ouais. Vous m'avez très bien compris. On va juste rapidement s'établir. Parce que moi, dans tous les cas, je vais bientôt vous laisser là. On va bien. Enfin, voilà, dans quelques minutes, nous allons arrêter la vidéo. Mais je continuerai mes péripéties. Et donc, du coup, il me faut quand même un petit peu de nourriture, comprenez bien. Du coup. Hop. Oh les cheveux, trop stylé. Voilà. Parfait. Fais-moi chauffer mon pote. Je suis perdu là. Et du coup maintenant j'ai des cheveux. À la Michael Jackson. Non pas exactement. Je préfère les lunettes. Hein. Je préfère largement les lunettes. On va récupérer la citrouille. Je sais pas si ça peut servir. Honnêtement, je pense pas. Mais si jamais, là-bas, il y a des vaches, également avec des cheveux, il y a des lamas. Franchement, c'est dommage hein, s'il n'y a pas de jungle ici. Parce que, il y a de quoi se faire plaisir. Alors, attendez, ça, je m'en fous, très sincèrement, on en a beaucoup. Ah, le bois, faut que je garde. Ça, c'est pour moi. Faut que je jette des trucs, hein. Bah, le crabe, je vais le manger cru et puis fuck. Voilà. Je sais que c'est pas rentable ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Hop, on va récupérer ça. Puisque de toute façon, si j'ai encore du bois sur moi... Ok. Ah oui, mais là, je pourrais pas tout récupérer. Bon, le four, on s'en fout. Ah, je peux faire ça, à la limite, pour prendre de la place. Ouais, là, ça commence à être ricrac, hein. Il nous faudrait un sac à dos. Malheureusement, il n'y avait pas de mode backpack qui était compatible. Oh, la rotten flèche, j'avais pas vu. Voilà, on s'en fout de ça. Voilà, carré. On s'arrache. On va aller voir un petit peu les vaches. Peut-être nous mèneront-elles vers la vérité. Non, en vrai, c'est juste histoire de se faire toujours un peu plus de nourriture parce que j'en aurais besoin, les amis. Hein. Ah, si vous aviez cru que j'allais abandonner. Ah non, moi dans le prochain épisode, je veux qu'on ait du bois de jungle et qu'on fasse notre maison. Plante fiber, ouais non, mais c'est super cool, moi je veux garder ça. Oh là là, c'est compliqué. Bah j'en ai pas besoin de ça, puisque à la base j'ai déjà du gravier. Donc c'est bon. Mais oui. Bon, le cuir, on en aura à la maison. Là c'est juste la nourriture qui m'intéresse. Très honnêtement. Ok, bon. Oh c'est super stylé, dites-moi là. Oh. Ah ouais. Oh, il y a des poulets, mon pote. Alors là, incroyable. À moi. Ouais, du coup, je peux pas récupérer. Bon, la pumpkin, on peut faire quelque chose avec à part ça, les trucs qu'on connaît. Non. Donc,
ça dégage. Je vous le dis. J'ai plus d'épée. Ah, fuck this shit. C'est pas grave, je peux m'en faire, mais... Si j'avais anticipé ça plus tôt, ça m'aurait évité de perdre du temps. C'est pas grave. Hop. Oh, un poulet jaune. What the fuck. Incroyable. Hop. Voilà, on va vite se faire ça. C'est trop joli, les gars. C'est trop joli. Je trouve que on s'en prend plein les yeux à chaque épisode, mais bon. Hop. Ouais, allez, c'est bon. Et on va pas non plus attendre 110 ans. On va acheter ça. Et la table de craft, et ben on a encore du bois, donc on s'en fiche. Allez, on y va. On y va. J'ai encore le bateau, heureusement. Maintenant, on peut se permettre de courir parce que on a beaucoup de nourriture. Et ça, c'est cool. Allez, toujours direction nord. Je ne perds pas le cap, je ne perds pas l'espoir. Je continuerai jusqu'au bout. Et nous, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Je vous tiendrai au courant, tout simplement, bah, dans le prochain épisode. Vous verrez, dans le prochain épisode, je pense que je serai de nouveau à la base. Hein. Très concrètement. Oh là, encore un désert. Oh là, c'est chiant. Dans le prochain épisode, ouais, hop, ça dégage. On sera de nouveau à la base avec du bois de jungle. Je vous le dis, je vous l'assure. Je ne ferai pas demi-tour tant qu'on n'a pas ça. Parce que bah sinon... Après, je peux faire ma maison différemment, mais j'avais vraiment envie de la faire en bois de jungle. En tout cas, les murs, quoi. J'avais vraiment envie de faire un contraste sombre et avec le bois de bouleau, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode de type exploration. Et puis, je vous retrouve pour dans 2 jours, pour le prochain épisode, tout simplement. À noter qu'en off, là, pendant que je me balade, si je tombe sur des... Sur des bateaux là, sur des ruines, j'irai les explorer. Oh attendez, on va aller par là-bas. J'irai les explorer, mais je ne les compterai pas dans ma liste des objectifs, puisque du coup on l'aura pas fait ensemble. Mais je les fouillerai sans problème. Non, c'est du bois de chêne. Je pensais que c'était du bois sombre, mais en fait pas du tout. C'est bien dommage. Ça aurait été sympa. Parce qu'à la limite, bon, je veux quand même faire en jungle, mais si jamais. Je me serais contenté du bois sombre. Bon, c'est pas grave. C'est pas... On a que des déserts, mon pote, mais c'est incroyable. Incroyable. Bon, les amis, à très vite. Je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.